Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Net TV Channels pour l'entrepreneur du mois numéro 12. J'accueille aujourd'hui Vincent Moreau de Cloud Store. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Vincent, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous? Oui, bonjour à tous. J'ai démarré ma carrière chez ADP GSI, qui est un éditeur de services de paye à distance, en externalisation. J'ai ensuite travaillé chez LTI Télécom comme associé sur le marché de l'ouverture à la concurrence du marché des télécoms pendant quelques années. On est passé de 3 à 50 personnes en moins de 5 ans. Voilà, j'ai occupé des postes de directeur commercial, de responsable marketing et donc de lancement de nouveaux services comme l'audioconférence en marque blanche, du fax to mail ou des choses de ce type-là. Et en 2005, j'ai décidé donc de créer IRL, dans lequel j'ai commercialisé et je commercialise toujours des outils de télémaintenance, gestion de parc et plein d'autres choses. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Et d'où vous est venue l'idée de créer Cloud Store? Oui, au bout de quelques années, après d'avoir fait pas mal de télévente hein, pour vendre ces outils de télémaintenance, de visioconférence, on s'est dit qu'il fallait un petit peu changer les choses et changer de modèle. Le téléphone devenait de plus en plus difficile et le modèle économique changeait aussi un petit peu. On avait de plus en plus de partenaires. Donc on s'est dit, on va créer une sorte de portail de e-commerce dans lequel on pourra mettre à la fois tous nos services et rassembler nos clients et nos partenaires et nos fournisseurs. Donc voilà, l'idée du Cloud Store est venue comme ça, sachant qu'on commercialise uniquement des produits en mode service, donc c'était tout à fait cohérent. Alors que Vincent, avec Cloud Store, vous vendez quoi, à qui, comment et pourquoi? Beaucoup de questions. Donc, qu'est-ce qu'on vend? On vend donc des services dans différents domaines. On a essayé de les rassembler, en fait. Dans le domaine de la télémaintenance, des services comme LogMeIn, comme ISL Online, NTR Cloud, hein, qui est notre service d'origine, sur lequel on a construit la société au départ. On vend des outils dans le domaine de la gestion de parc, hein, comme RG Supervision, dans le domaine de la visioconférence, ça marche très bien en ce moment, avec Spreed, Video, GoToMeeting, par exemple. Et puis, on commence à lancer nos propres services avec le webbook qui dématérialise par exemple des documents PDF pour les mettre sur Internet, transformer vos catalogues en documents consultables rapidement et simplement sur Internet. On va dire que le point commun de l'ensemble de ces services, c'est d'être facilement utilisable, facilement accessible, sans formation et rapidement. Alors, on les commercialise auprès d'entreprises, de SS2I, éditeurs de logiciels qui sont nos clients d'origine. Et puis, on a élargi aux administrations et à tout type de personnes. Maintenant, avec le e-learning, on touche même des consultants ou des personnes indépendantes qui veulent mettre en place, avec Easy Générateur qu'on distribue en France, par exemple, leur propre support de formation. Alors une dernière question, quels sont vos leviers marketing aujourd'hui? Alors, on a toujours fait de la vente à distance par téléphone. Aujourd'hui, on essaye plutôt de créer des communautés, de créer des liens. On va s'appuyer tout d'abord sur nos clients, parce qu'on a 400 clients aujourd'hui avec lesquels on échange. Le choix des services, c'est bien souvent aussi lié à eux, qui nous font des demandes. Et donc, on va s'appuyer sur eux pour communiquer, échanger, foisonner les services dont ils ont besoin. Ensuite, on va aussi communiquer pour nos fournisseurs en France et en français. Bien souvent, ils sont étrangers. Et donc, on va, à travers les réseaux sociaux et une communauté qu'on est en train de faire grandir, diffuser les informations sur les nouveautés de ces produits, sur les avantages, sur la manière dont ils s'utilisent. Voilà. Et puis, dernier point, on a bien sûr tous les outils classiques d'emailing ou de diffusion que l'on connaît habituellement. Donc voilà, mais vraiment l'idée c'est d'avoir un portail, un échange au travers de ces produits. On veut que les gens qui viennent sur le Cloud Store puissent rapidement comparer deux ou trois produits dans le domaine de la télémaintenance, dans le domaine de la visioconférence, et puis choisir celui qui leur convient le mieux ou nous le demander à travers notre service de live chat ou par email ou par téléphone. Eh bien, c'est parfait.
Merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Merci d'être venu au micro de NetTV Channels. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Nous, on se retrouve pour l'entrepreneur du mois numéro 13. Ça sera donc le mois prochain et il y aura Startup Talk et Project Talk aussi dans la foulée. À bientôt. Merci.